Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire alumni du MBA MCI. Pour cette nouvelle édition donc de ce webinaire, nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Patry. Salut Frédéric. Bonjour Louis, bonjour tout le monde. Merci beaucoup donc de passer ce moment avec nous. Nous allons un petit peu, si tu le veux bien, te décortiquer, en tout cas décortiquer ton parcours. Vous l'avez vu donc dans la vidéo d'introduction, le MBA MCI, c'est le MBA Marketing, Communication, Innovation de De Vinci Executive Education. Ça fait 25 ans cette année, donc en 2024, ça fait 25 ans que le MBA existe. À la base, il s'appelait donc toujours MBA MCI, mais c'était Marketing et Commerce sur Internet. D'ailleurs, Frédéric, toi qui es de la promo 2014, tu l'as connu sous cette appellation. Absolument. Je fête mes 10 ans cette année. Tu fêtes effectivement tes 10 ans de diplôme, puisque donc je l'ai dit, tu es de la promo 2014, et notre MBA s'adresse toujours principalement à des profils exécutifs. Qu'est-ce que c'est des profils exécutifs? Alors, on va le voir notamment avec le témoignage de Frédéric, mais ce sont des professionnels qui ont déjà une première partie de carrière. Alors, cette première partie de carrière, elle peut être déjà dans la communication et le marketing, et donc le MBA vient accélérer ces profils, les digitaliser, comme peut-être ça a été ton cas, Frédéric, ou alors ça peut être dans le cas d'une reconversion. On vient d'un secteur d'activité ou d'un métier différent, et donc on vient apprendre des nouveaux métiers dans le cadre du MBA. Toi, Frédéric, quel était ton cas? Je sais que donc t'es venu au MBA après, je crois, une petite dizaine d'années d'expérience, mais est-ce que tu étais déjà dans la com et le marketing avant? Alors, moi, j'ai un parcours où, en fait, notamment le MBA MCI, ce n'était pas la première expérience pour moi à faire une formation. J'avais un parcours initialement, je venais du secteur industriel, donc j'avais fait des études techniques, et j'ai pris des fonctions de commercial essentiellement les cinq, six premières années, dans l'univers du bâtiment, voilà, dans l'univers du technique. Et j'avais déjà, moi, déjà fait un master en 2000, 2001-2003, au CNAM. Donc, j'avais déjà donné du cours du soir. C'est une expérience que j'avais déjà vécue. Déjà, un peu pour me reconvertir un peu plus fortement sur le marketing à cette époque. Et en effet, moi, j'ai commencé à travailler en 96 sur des fonctions commercial, comme je vous l'ai dit, sur les cinq premières années. Et puis après, très rapidement, s'est imposé à moi des fonctions plutôt marketing, communication, plutôt stratégique. J'ai pris ces premières fonctions. J'ai ressenti à l'époque, donc on est en 2001, le besoin de me reformer. Donc ces cours du soir, j'ai fait un master au CNAM en cours du soir. Et puis j'ai très rapidement, à l'issue de cette formation, qui était un élément premier booster dans ma carrière, eu l'opportunité, hein, aussi grâce à cette formation, d'atteindre une société un peu plus importante, avec des responsabilités plus fortes. Et j'ai intégré un très beau groupe industriel dans le domaine de la sécurité incendie, une belle ETI française. Quand on est arrivé, on était près de 800 collaborateurs. Quand on est reparti, je suis resté 11 ans quand je suis parti de cette société. On était près de 2500 collaborateurs. Donc voilà, j'ai pu aussi œuvrer dans des sociétés à fort développement, et notamment dans cette société où je suis resté pendant 11 ans, sur des postes où j'avais cumulé en fait des fonctions de direction marketing, direction de communication et direction commerciale. J'avais notamment 25 personnes sous ma direction au siège. Enfin, je suis monté à 25 personnes sur ma direction au siège, et j'ai animé aussi une équipe commerciale avec 120 commerciaux, évidemment qu'un management intermédiaire, mais c'est des activités que j'animais aussi. Waouh, dis donc, ça y est, on entre dans le vif du sujet avec toi, Frédéric. Donc, si on résume, tu as commencé à travailler donc en 96, tu as travaillé pendant 5 ans, tu as ensuite fait donc ce master au CNAM en cours du soir, et là, en gros, pendant 10 ans, hein, après ton master au CNAM et jusqu'au MBA en 2013-2014, en fait, tu n'as fait que monter en responsabilité. Absolument, ouais, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand tu es en 2013? Qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, tiens, qu'est-ce que c'est ce MBA? Je suis depuis quelques années dans cette belle entreprise. Alors évidemment, mes premiers travaux, j'ai eu des fonctions qui ont progressé au sein de cette ETI. Hein. L'entreprise se développe, se structure, s'organise.
Vraiment, je mets les fondamentaux de ce qu'est le marketing et la communication. Et très rapidement, enfin au bout de 5-6 ans, des premiers sujets digitaux s'imposent, hein, une stratégie digitale s'impose. Et on commence à œuvrer, à réfléchir avec mon président sur une stratégie digitale à mettre en place. Parce que voilà, on se situe à peu près, là on est en 2010-2011, et on commence à initier de premiers très beaux projets digitaux, transformation digitale de la société, tant bien sur la productivité, sur l'efficacité. On avait des techniciens, enfin voilà, il y avait des vrais sujets structurants, opérationnels et organisationnels au sein de l'entreprise, mais aussi côté client, avec des sujets innovants. On est dans une ETI qui va bien, une ETI qui se développe, une ETI qui a des moyens. Et du coup, l'idée, c'est d'aller vite, d'amener, de créer de la valeur très rapidement. Et on œuvre sur ces premiers projets digitaux. Alors moi, évidemment, je suis pas encore formé. En fait, mon premier réflexe, c'est que très rapidement, je me rends compte avec mon président que autour de nous, on comprend pas trop ce que l'intention qu'on a tous les deux. Pour nous, c'est assez clair. On sait où on veut aller. Et on se rend compte que autour de nous, les gens ne comprennent pas bien. Que ce soit les prestataires extérieurs, que ce soit les ingénieurs en intérieur, en interne, et puis moi, mes équipes. Donc, la question se pose de se dire, il faut former, il faut accompagner les compétences en interne, et je pars comme ça, en accord avec mon président, chercher une formation, pas pour moi initialement. C'est ça qui est marrant dans l'histoire, c'est que je viens chercher une formation pour mon responsable, ma responsable communication qui était une femme à l'époque, et mon responsable marketing. Je me dis, il faut que je forme ces deux personnes-là, et je pars en quête de leur trouver une formation qu'ils auraient choisi, hein, probablement eux. Et je fais une journée portes ouvertes, je rencontre à l'époque Alexandre Stopniki, et puis quand même, j'ai quand même un petit coup de cœur pour cette formation. Quand je reviens et j'en parle à mon président, il voit que dans mes yeux, ça brille. Je dis, la formation est géniale. En gros, j'étais en train d'expliquer, j'aurais rêvé de la faire. Et il me dit, bah, faites-la, je vois que ça vous plaît, faites-la, il faut commencer par vous. Et donc, moi, l'histoire avec le MBA MCI démarre comme ça, c'est que c'est presque sur un malentendu où je me retrouve à me dire, voilà. Alors, la question se posait, parce que c'est pour ça que j'ai spécifié que j'avais fait le CNAM hein, initialement, c'est que j'avais un peu souffert quand même avec le CNAM pendant 14 mois, puisque c'était un master, c'était très exigeant, le CNAM à Paris. J'avais pas d'enfant, j'étais pas encore marié, voilà. Donc, alors j'étais déjà avec ma future femme, hein, qui est devenue ma femme entre-temps. Entre-temps, j'ai fait deux enfants. Et en effet, s'investir dans une formation à 30, 31 ans, c'est pas la même chose que de s'investir. Et j'étais encore, voilà, avec des fonctionnalités limitées en termes de responsabilité, que d'être sur un poste international avec 2000 collaborateurs, avec voilà présent dans 32 pays, voilà avec beaucoup de responsabilités, d'enjeux, et puis aussi une vie familiale aussi. Voilà. Donc cet équilibre-là, je me suis quand même posé, j'ai quand même réfléchi à deux fois avant de me lancer. Et puis j'y suis allé. De toute façon, c'était pour moi vraiment quelque chose. C'était une évidence en fait lorsque j'ai rencontré ce MBA, j'ai rencontré l'équipe. Alexandre, c'était une évidence pour moi d'aller sur cette formation qui s'est avérée passionnante par la suite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette formation, Frédéric, alors? Alors, si tes souvenirs sont toujours présents, parce que c'est vrai que bon, ça ne Oui, fait que 10 ans, mais oui, malgré oui. tout. Oui, bah après, c'est 10 ans. Alors, je pense que je vais peut-être beaucoup d'anciens le disent, mais c'est quand même une période forte hein, dans sa carrière, de s'arrêter, de faire un exécutif. On se retrouve dans une promotion. Donc moi, ce que j'ai retenu, c'est déjà une promotion. On a une très très belle promo. Notre promo, c'est le promo de ouf. C'était une promo de ouf. Et on a gardé alors vraiment des liens très forts parce que c'était une année charnière pour beaucoup de personnes. Il y avait un très très bel état d'esprit, de bienveillance, d'énergie, d'envie. Et voilà. Et puis d'ailleurs, des anciens sont devenus des amis, d'autres sont devenus des clients, et d'autres sont devenus des associés. Puisque j'ai aussi dans ma promo Caroline Gass qui m'a rejoint il y a quelques années en tant qu'associée dans la structure. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai retenu? Alors moi, ce que j'ai retenu essentiellement, alors c'est vrai que j'avais des attentes particulières parce que bah, sur ce malentendu, moi j'ai arrivé sur cette formation sans,
Voilà, j'ai juste eu envie de découvrir un peu, voilà, ce que moi, ce que j'ai vraiment apprécié dans cette formation. Alors, je ne sais pas si elle a beaucoup évolué depuis, mais c'est cette vision à 360 degrés qui était offerte. C'est-à-dire que vraiment, moi, j'y ai trouvé, en tant que directeur marketing et commercial, où je survolais un peu les sujets quand même, hein. J'étais arrivé avec une équipe de 25 personnes où on rentre un peu moins sur les sujets et où j'ai dû re-rentrer dans des sujets. J'avais pas de Facebook, hein, quand je suis arrivé à cette époque-là. Donc, on parle de 2013-2014. J'avais pas encore de compte Facebook. J'ai créé mon compte Facebook, mon compte Twitter, etc. Mais première chose que j'ai énormément appréciée, c'est d'avoir cette ouverture à 360 degrés de ce qu'on pourrait mettre en colonne vertébrale le digital. Et pour moi, ça a été un élément important parce que c'était encore un peu flou dans ma tête. J'ai pas passé plus de temps que ça pour chercher un peu de lecture. Évidemment, j'ai toujours été un gros lecteur, mais voilà, j'ai eu cette première approche-là. Dans ce qu'on a Après, sur ça m'a permis. Frédéric, c'est toujours le cas aujourd'hui. Ouais. D'accord, ça m'étonne pas. Je pense que c'est probablement dans l'ADN du MBMCI. Après, évidemment, je me suis rendu compte. Alors là où ça m'a beaucoup aidé, ça a énormément aidé après, et jusqu'à encore aujourd'hui, ça résonne encore au fond de moi, c'est que je me suis rendu compte que chaque discipline était un puits sans fond. Alors ça, c'est vraiment la chose qui m'a vraiment heurté lors de cette formation, c'est qu'on prenait le SEO et je voyais que le SEO, bah, on en parlait. On creusait, mais c'est un puits sans fond. On prenait voilà, la stratégie, voilà. Et je me suis rendu compte que chaque discipline du digital était un puits sans fond dans lequel il fallait ou pas s'investir. À titre perso, voilà, je veux développer une expertise, je rentre dans un puits et j'essaie d'aller plus profondément possible pour développer mon expertise. Mais voilà, l'idée c'était ça. Mais moi, en tant que directeur marketing, ça m'a vraiment ouvert l'esprit et je me suis rendu compte de la nécessité des compétences, la nécessité d'expertise pour avoir des résultats et la nécessité aussi d'avoir un réseau, ce que je n'avais pas en fait avant de démarrer le MCI. Et le MCI m'a ouvert en fait un réseau, bah, comme je l'ai dit, hein, à travers ma promo, mais aussi évidemment, j'ai jamais eu autant de facilité de rentrer en contact sous LinkedIn, d'échanger, tiens, tu es dans tel domaine, est-ce que tu pourrais me recommander? Donc ça a été aussi pour moi un élément clé de pouvoir retrouver un réseau riche et un réseau qui fonctionne aussi, qui s'enrichit à travers bah, l'organisation qu'a mis en œuvre l'école, voilà, à travers des groupes, à travers des contacts qu'on va établir. Est-ce que tu as des souvenirs précis, peut-être des anecdotes à partager de ta promo, un cas peut-être entreprise sur laquelle vous avez travaillé, un travail en groupe? Ouais, alors j'en ai plein, plein, plein. Alors j'en ai une que j'aime bien me rappeler. Alors ça va faire un peu vieux jeu maintenant parce il faut revenir 10 ans en arrière, mais c'est vrai que j'avais mené au sein de l'entreprise j'avais engagé la construction, donc c'était un groupe d'entreprises, on avait une cinquantaine de sociétés, hein. Et j'avais engagé des projets de création de sites web. Et sur certains choix, j'avais pris du WordPress. Mais je ne savais pas ce que c'était un WordPress. Donc, quand je suis arrivé au premier cours, c'était Alexandre Sopnicki à l'époque, sur le WordPress, et j'ai vu la facilité déconcertante, les templates et la manière dont ça fonctionnait. Moi, j'étais très naïf, en fait, à ce sujet-là. Et que je payais, en fait, je me rendais compte que je surpayais des prestats qui m'avaient raconté la belle histoire. Et un peu naïvement, j'ai péché par non-connaissance en fait du digital. Bah, je me retrouvais avec probablement des achats que j'avais faits sûrement dimensionnés par rapport au niveau de prestation qui était réalisé, quoi. Donc voilà, moi directement, j'ai presque envie de dire en 6 mois, j'avais fait un retour sur investissement avec la formation, puisque très rapidement sur les projets d'après, je me suis beaucoup moins fait. Voilà, amené. Alors, je dirais pas que ces prestataires-là ont arnaqué ou abusé. Ils ont juste vendu une valeur que moi j'ai admis et voilà. Donc ça, c'est une anecdote dont je me souviens bien. Entre autres, après, oui, on a eu quelques projets. Alors, j'ai découvert aussi parce que l'avantage d'être en part-time, c'est que j'ai découvert aussi bah, plein d'autres compétences. On était avec des professionnels très variés. Certains venaient d'agences,
avec une créativité affolante. D'autres venaient de structures peut-être un peu plus tech, avec des compétences très techniques. Donc en fait, aussi, au-delà des cours, c'est qu'on apprenait aussi au contact des autres. Et j'étais assez surpris en fait de la variété des compétences et de la variété de ce que on pouvait à travers les groupes de travail apporter les uns par rapport aux autres. Et ça a été une très très grande richesse aussi pour moi. Très bien. Et bon, ça c'était pour le côté sérieux, mais on le lit aussi à travers ton témoignage. Tu t'es fait des amis, t'as noué des relations fortes. Peut-être surtout la côté des cours. Est-ce que tu as des souvenirs? Est-ce que vous faisiez, je sais pas, la fête? Est-ce que tu as des souvenirs? Ah, je vois que tu souris. Bah, la fête, pas particulièrement, non, on avait un très très bon groupe, oui, de temps en temps. La fête, pas particulièrement, c'était assez assez besogneux quand même, mais c'était toujours très convivial, très sympa. Oui, les personnes, alors moi j'habite pas sur Paris, j'habitais un peu excentré, mais on a fait un groupe de travail à la maison, en plein été, dans le jardin, voilà, on a travaillé, c'était très sympa, donc ça c'est souvenir marquant, je me souviens très bien de cette scène-là. On a fait des photos, d'ailleurs on se les repartage un peu de temps en temps. Mais voilà, après on a eu alors une autre anecdote. On avait elle se reconnaîtra si elle regarde la vidéo, mais ses parents étaient fromagers, donc elle nous ramenait du fromage tous les mois pour se retrouver. On lui passait les commandes et ramenait son fromage, etc. Voilà, c'est plus une somme d'éléments comme ça que de grands moments forts. Le moment fort, c'est cette année, passer tous ensemble à la fois sur des choses sérieuses, mais voilà, toujours le plaisir de se voir, le plaisir de se retrouver, le plaisir de travailler ensemble, et puis dans une énergie très positive et bienveillante entre nous. Et ce qui a fait que c'était une super promo, hein, franchement. Bon, Voilà, merci, si. merci Frédéric. Alors, effectivement, cette question était téléguidée, puisque il y a une de tes camarades de promo, quand elle a su que c'était ton webinaire alumni, qui m'a envoyé un petit message sur LinkedIn pour me dire, tiens, tu poseras cette question à Ah, Frédéric, ça lui rappellera des souvenirs. oublié. Et je pense que Ouais. c'était en lien effectivement avec cette journée de travail que vous avez D'accord. passée. Et D'accord. voilà. Et évidemment, hein, c'est un point à aborder parce que c'est une année très intense. Il y a bien sûr ce qui se passe dans les cours, mais il y a le reste aussi à côté, le boulot. Tu nous l'as bien décrit, Frédéric, la vie de famille. Donc ça passe vite, mais peut-être que la clé pour que ça marche, Frédéric, une des clés, c'est l'investissement. Hein, je veux dire, toi, tu y es allé parce que bon, tu as vu une bonne intuition, mais après, tu as aussi mis les ingrédients pour que ça fonctionne. C'est ça. Alors, moi, j'y suis allé. Alors, bien sûr, j'étais très motivé et ça répondait vraiment à des enjeux immédiats sur mon parcours. Je savais déjà, j'avais une expérience avec le CNAM, l'apport que ça pouvait. Pour moi, ça a été aussi, voilà, un élément d'amélioration dans mes compétences, etc. Donc, et je savais que ça allait se passer là sur les prochaines années. Donc, pour moi, c'était une évidence. Après, oui, à fond. Oui, je crois que j'ai loupé peu de cours. J'ai peut-être un COMEX, je faisais partie du COMEX, peut-être un COMEX que je pouvais absolument pas louper et j'ai dû ne pas aller en cours pendant une journée ou deux. Mais sinon, j'ai vraiment, vraiment, j'étais extrêmement motivé parce que je suis très intéressé par tous les cours, par les rencontres, par les échanges, qui fait que vraiment, j'ai loupé très, très peu, malgré un agenda très, très chargé. J'ai loupé très peu de cours et très peu d'interventions. Alors, Frédéric, il se trouve que donc cette personne, on va dire mon informatrice de ta promo, elle m'a aussi donné deux adjectifs qui te décrivent selon elle bien. Elle m'a dit ultra curieux et très rigoureux. Apparemment, tu es quelqu'un de très organisé dans le travail et pas que. Et tu vois, 10 ans après, elle a ce souvenir. Il faut dire aussi que le MBA, ça a été peut-être une première marche vers quelque chose qui aujourd'hui est au cœur de ta vie professionnelle, qui est l'entrepreneuriat. Est-ce qu'avant le MBA, tu avais déjà cette idée de vouloir monter ton propre business, d'entreprendre, ou c'est vraiment le MBA qui a été déclencheur? Alors, oui, en effet, j'ai toujours eu cette fibre d'entreprendre. Ceux qui me connaissent bien depuis longtemps m'ont toujours dit un jour je créerai mon entreprise, etc. Après, il faut l'étincelle. Il faut l'étincelle. Il faut
Pour ma part aussi une forme de maturité, parce que j'ai lancé ma première entreprise à 42 ans, il y a 8 ans maintenant, puisque j'ai fait mon projet premier pardon, projet entrepreneurial il y a 8 ans. Mais évidemment, il faut des ingrédients, comme tu le disais, on parle d'ingrédients, et je pense que cette formation a été vraiment un élément clé pour moi dans ma réflexion. Et notamment, ben, j'ai eu à mener cette transformation digitale, j'ai eu des dossiers à gérer, et j'ai eu vraiment des moments de solitude. C'est-à-dire que quand je me tournais vers des agences, vers des experts, vers des professionnels, je sentais qu'il y avait un décalage entre mon besoin et ce qu'on pouvait m'apporter. Je sentais qu'il y avait encore des lacunes dans la capacité à accompagner les entreprises sur la partie digitale pour une entreprise comme celle où j'étais au sein du réseau DEF. Et du coup, voilà, j'avais fait 11 années, je m'étais beaucoup investi dans cette société. Et voilà, j'étais arrivé à un certain niveau de réflexion. J'en avais parlé avec mon président et il m'a dit, bah, c'est bon, Frédéric, si vous souhaitez partir, c'est le moment. Et du coup, voilà, ça s'est engagé un peu comme ça. Encore une fois, sur un peu, voilà, j'ai pas de projet entrepreneurial précis. Je suis parti de la société et je me suis dit, voilà, et je suis parti en fait, tout simplement. Ma feuille de route a été simple. C'est-à-dire que j'ai observé les 3-4 années où j'avais mené un peu tous ces projets de transformation, tout ce que j'avais pu aussi apprendre, entendre, découvrir au sein du MBA. Et j'ai mis tout ça dans un checker et je me suis dit, voilà, qu'est-ce que pourrait être la première société? Et je me suis basé un peu sur voilà, un certain nombre de constats. J'ai fait un certain nombre de constats. Et je me suis dit, ben voilà, comment je pourrais construire une première société, enfin, comment je pourrais construire ma société? Je ne savais pas que j'allais avoir d'autres sociétés après derrière, mais comment je pourrais construire cette société autour de ces constats et essayer, moi, à mon petit niveau, hein, de pouvoir combler ces lacunes que moi j'ai pu voir et d'aller voir mes homologues, en fait, et d'apporter une réponse, en fait. Et c'est là-dessus, c'est de cette manière-là que je me suis lancé. Et évidemment, parce que l'année du MBA était pour moi fondatrice. Je me suis vraiment pris de passion. Quand vous rencontrez des gens passionnés, ben, j'ai été voilà, infusé de leur passion. Et du coup, c'est quelque chose qui est devenu pour moi vraiment devenu voilà, un sujet, le digital. Je me suis intéressé. Alors évidemment, je n'ai pas pu m'intéresser à toutes les disciplines, à tous les sujets, mais j'ai plongé sur des sujets comme le SEO, comme tout ce qui est notion de parcours client, tout ce qui est un peu technique au niveau de l'UX. Voilà, tous ces sujets-là m'ont intéressé. Et du coup, j'ai développé aussi alors, ma société autour de ces constats et autour de ces compétences, voire même certaines nouvelles compétences que j'ai pour pouvoir lancer ma structure et qui a bien marché dès le début en fait. Et alors, je disais tout à l'heure, effectivement, hyper, ultra curieux et rigoureux, ça fait sens parce que, donc en parallèle de tes démarches entrepreneuriales, tu vas nous en dire un petit peu plus, surtout sur où tu en es aujourd'hui, tu as lancé un think tank, l'Observatoire du commerce connecté. Donc, ouais, c'était pas uniquement faire de la veille et t'intéresser, c'est que derrière, tu as aussi voulu structurer et apporter quelque chose au marché. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce think tank? Alors, bah, moi, j'ai lancé ma première structure, donc WeSpark. Hein, voilà, WeSpark est une société que j'ai dédiée justement d'accompagner. Alors, je l'ai pris comme ça, c'est d'accompagner les entreprises dans leur performance commerciale, au sens très large du terme. Je voulais pas renier mon ADN, ce que d'où je venais de la vente, du commerce, et je voulais pas renier ça. Donc, je suis vraiment au service de la performance commerciale à travers deux leviers, qui sont la communication et le marketing digital ou la communication digitale. En fait, voilà, et je suis quand même dans une logique très business là-dessus, sur la proposition de valeur que j'ai et l'offre qui est. Excuse-moi, j'ai oublié ta question, du coup, Louis. Ouais, non mais t'inquiète pas, Donc, on va ouais. continuer, mais c'était sur l'Observatoire du commerce connecté. Voilà, donc mes premiers clients se développent, voilà, des belles références. Je démarre avec Air Liquide, avec Zodiac, avec un dentiste à Paris, voilà, enfin des clients très variés. Et j'avais ressenti un besoin, parce que évidemment il y avait un besoin d'évangélisation, il y a un besoin d'échange, de discuter, enfin de partager, d'échanger avec les clients, mais trouver un terrain neutre pour ça.
Et donc je me suis, du coup j'ai voilà en échangeant, alors moi j'ai rejoint l'Observatoire du commerce connecté en fait, et j'ai rejoint en fait trois fondateurs qui avaient déjà quelques mois avant créé l'Observatoire du commerce connecté. Je suis venu donc avec une enseignante chercheuse, avec un ancien patron de la FNAC, et puis une personne qui venait de la RH, donc des profils très complémentaires. Moi, très opérationnel, très pragmatique au fond, hein, voilà, sur mes compétences. Et on a vraiment relancé, ou lancé vraiment l'Observatoire du commerce connecté, justement pour pouvoir adresser, rassembler, réunir un peu, voilà, nos réseaux respectifs sur un terrain absolument pas commercial, pour pouvoir échanger ouvertement sur les grands sujets qui façonne toutes les transformations qu'on vit depuis quelques années. Naturellement, on s'est retrouvé à faire un des premiers événements à l'Institut Léonard de Vinci. Voilà, puisque en tant qu'ancien, on m'avait ouvert les portes. Donc, on avait fait un événement sur place. On a fait aussi un événement chez les Furets.com. Voilà, on a été chez Renault, on a été à l'ESCP à Paris. Voilà, donc on a déjà fait quelques événements. Et voilà, l'idée étant de pouvoir traiter. Voilà. Et le prochain événement se fera sur l'intelligence artificielle. Parfait. Alors, Frédéric, on va maintenant effectivement te concentrer sur les dernières années et sur ce que tu fais aujourd'hui. Mais en fait, on voit que tu es quand même un joueur d'équipe. Tu vois, tu le disais sur l'Observatoire du commerce connecté. Tu fais ça en t'entourant bien, ou peut-être que c'est peut-être les autres qui s'entourent bien avec toi. Tu vois, ça va dans les deux sens. Mais t'es pas un solitaire, t'es pas un entrepreneur forcené. Tu le fais parce que bah, je le disais, tu sais bien t'entourer et t'aimes ça le jeu en équipe. Oui, alors ça fait partie évidemment de mes valeurs, mais j'ai aussi beaucoup appris au contact de mes anciens patrons. Voilà, quand j'ai eu la chance, voilà, d'être dans une très très belle PME en direct avec le président, c'était le cas dans mes précédentes entreprises qui étaient plus petites, hein. J'ai même travaillé dans ma toute première entreprise, c'était 9 personnes, et c'est vraiment un dénominateur commun que j'ai vu, c'est que bah, tout seul, voilà. On peut difficilement atteindre tous les objectifs éventuellement qu'on se donne, et que cette notion d'équipe, ces valeurs humaines étaient, voilà, sont importantes pour moi. Se sont évidemment avec l'âge aussi développées fortement. Et voilà, donc en effet, je suis en quête, voilà, d'avoir des personnes avec qui je prends plaisir à travailler, sur lesquelles on partage des objectifs communs, qu'on partage des valeurs communes, et ça, c'est important. Alors, dans mon projet entrepreneurial, j'y reviendrai peut-être plus en détail après, mais c'est vrai que je suis parti sur un modèle où je pars sur des binômes, en fait. C'est-à-dire que chacune de mes entreprises, j'en ai 6 maintenant, je suis parti sur des binômes. Systématiquement, je pars sur un binôme. Alors, tout ça constitue une équipe, hein, globale. Au sein de chaque entité, il y a des équipes, mais j'ai toujours mon binôme. Donc, une équipe, ça commence à deux. voilà. Et puis après, une équipe, je ne sais pas, dans le sport, quelle est la plus grosse équipe? Peut-être le rugby, une équipe à 15. Alors, évidemment, il y a tout le staff autour, etc. Mais une équipe, pour moi, ça reste. C'est pas. Voilà, je parlerai pas d'équipe s'il y a 200 personnes ou 150 personnes. Pour moi, une équipe, ça doit rester quand même une entité à dimension humaine. Alors, donc le groupe que tu as, parce que maintenant, effectivement, tu as plusieurs entreprises, mais tu as créé un groupe qui s'appelle WeManify Collective. Et à l'intérieur de ce groupe WeManify, tu as créé des marques, c'est ça? Tu as différentes marques. Donc, C'est ça, c'est des WeSmart, marques, voilà. Smart and Sport, Voilà. Donc en Playtime fait, Animations. voilà. Donc j'ai structuré en fait. Bah, en fait, le principe, c'est que j'ai une première société avec WeSpark. Et puis moi, ayant eu quand même un parcours communication et événementiel aussi. Donc en fait, j'ai structuré le groupe autour de deux pôles. Un pôle autour du marketing, de la communication, et puis un pôle autour de l'événementiel. Sachant que dans les deux, c'est intimement irrigué par le digital. Donc intimement, le MBMC m'a beaucoup apporté. Donc du coup, j'ai structuré autour des Wii, donc il y a WeSpark, conseil et opérationnel sur la stratégie, le marketing digital.
L'historique, on va dire. Ça, c'est la marque Ça, historique. c'est la marque historique, ouais. Après, alors c'est une marque entreprise, hein. Systématiquement, Oui. c'est des marques entreprises. Il y a une structure juridique derrière. WePixel, qui est une société dédiée à tout ce qui est production de motion design, de vidéo, de contenu en fait visuel, de photos, etc. WePixel.fr. Et puis tout récemment, WeGenAI, une société dédiée à l'intelligence artificielle générative. Puisque je peux pas louper le il faut que j'y aille, c'est un sujet passionnant. Et C'est le là, donc, dernier né, on va dire. C'est le c'est dernier le né de dernier la né, ouais, structure. Ouais. tout à fait. Et là, l'idée, c'est que, comme je l'ai dit, le MBMC m'a ouvert ça, c'est-à-dire m'a montré que chaque discipline a un niveau d'expertise. Donc moi, finalement, je fais les choses assez simples. Je suis pas là pour avoir une grosse boîte unifiée avec un gros chiffre d'affaires et plein de personnes derrière. Ce qui m'intéresse, c'est pouvoir adresser les sujets auxquels les clients nous challenge, nous brief. Et je me suis rendu compte que ce que j'ai construit, c'est que pour chaque expertise, j'ai mis une entreprise. En fait. Une expertise, une entreprise, ça, c'est mon modèle économique. Systématiquement, je me mets en binôme avec une personne et puis on avance ensemble. Voilà. Sachant que bah, tout ça, je l'ai quand même rassemblé parce que tout ça fonctionne ensemble. Donc après, j'ai les entités. Événementiel. Donc, j'ai Atrium Events, qui est une agence qui organise des événements. Et plus que jamais, le digital est venu hein, dans l'événementiel, notamment avec 2020. Voilà, maintenant, on est aussi sur beaucoup de solutions hybrides, etc. Et puis, il y a plein de solutions de digitalisation qui se sont offertes à l'événementiel. Et puis, j'ai une société Spartan Sport et Playtime Animation, qui sont des sociétés d'animation. Où là, on a des dispositifs interactifs, connectés et technologiques pour pouvoir faire de l'animation sur tout type d'événement. Voilà, donc, et tout ça, c'est intimement lié. C'est-à-dire que à la fin, j'ai les mêmes interlocuteurs. Enfin, voilà, il y a vraiment un collectif. Voilà. Donc, certaines agences vont un peu consolider tout ça autour d'une agence. Moi, j'ai décidé d'avoir en fait une entreprise pour chaque expertise. Parfait. Et comme tu le dis, il y en a de nouvelles qui vont arriver. Hein, c'est ça, c'est que ce processus entrepreneurial dans lequel tu es, il n'a finalement pas de fin. Et c'est ça qui est beau. Oui, alors, c'est vrai que après avoir créé WeSpark, au bout de 2 ans, la question s'est posée si je continue ou pas, pour être sincère, puisque je me suis dit, bon, voilà, j'ai une agence, voilà, ça s'était bien développé, mais c'est pas au fond, moi, j'ai, voilà, le côté curieux, alors, du coup, je suis curieux de savoir qui a parlé de moi, mais le côté curieux, ça, c'est quelque chose, voilà, je suis très curieux, j'aime bien. Voilà, chercher la dernière techno, la dernière innovation, me l'approprier, la reformuler, la redéployer autrement. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et finalement, oui, je ne sais pas s'il y aura d'autres entités ou pas, mais là, je commence à avoir quand même un groupe avec des compétences, avec des personnes. Hein, j'ai des associés dans chaque entité, une proposition de valeur qui a du sens. Qui me semble assez pérenne pour les prochaines années, qui me demande quand même pas mal de temps, parce que tout ça reste quand même des petites entités, il faut quand même s'en occuper et développer. Voilà, donc là sur l'intelligence artificielle, on a 5 ans devant nous avec beaucoup de tâches et beaucoup d'innovations à apporter. Donc, dans le cadre du MBA, il y a une thèse professionnelle à réaliser. Tu t'es également prêté à cet exercice. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Quel était le sujet de ta thèse? Et puis, quels souvenirs tu en gardes? Et puis, peut-être, à quoi ça t'a servi? Est-ce que ça t'a servi pour la suite de faire cette thèse professionnelle? Alors moi, la thèse, je l'ai rendue pratico-pratique en fait. Je me suis dit, il faut pas que je m'égare. J'avais pas d'autres projets. Alors après, je peux comprendre. Hein, moi, je vais parler de mon cas, mais je trouvais intéressant de pouvoir mettre en adéquation les enseignements, les nouvelles compétences et les projets concrets que j'avais à mener dans l'entreprise. Et donc le projet concret que j'avais à mener dans l'ETI où j'étais au sein du réseau DEF. C'était de bâtir, de construire une stratégie digitale le plus large possible du terme. C'est-à-dire que c'était pas qu'une logique avec des obédiences purement marketing et communication. Il pouvait y avoir des sujets de productivité commerciale, il pouvait y avoir des sujets de productivité des équipes, etc. Et on a mené des projets très structurants
autour notamment de la digitalisation des process des techniciens de maintenance. Voilà, on était sur des sujets. Donc moi, ça m'intéressait de prendre, en fait, de reprendre un peu naïvement, hein, sans trop me préoccuper peut-être de ce qui avait pu déjà être dit et partagé là-dessus, mais de me dire, voilà, comment est-ce que je peux modéliser, en fait, la mise en œuvre d'une stratégie pour une PME ou une ETI de type industriel. Et qui plus est, multimarque, parce qu'on avait 60 entreprises en groupe, avec, voilà, pareil, un peu même principe, je ne l'ai pas inventé, hein, une expertise, une entreprise. Et du coup, j'ai mené, en fait, ce sujet autour de la modélisation d'une stratégie digitale pour une entreprise de type PME, ETI, et la rendre le plus pragmatique, même si, évidemment, l'exercice universitaire nous impose des figures imposées. Et d'avoir quand même une approche réflexive et universitaire sur le sujet. Ça m'intéressait aussi de l'accrocher de manière très pragmatique au contenu de ma mission au sein du groupe. Est-ce que depuis cette thèse professionnelle, il t'est arrivé d'avoir des exercices comme ça de prospective aussi soutenus à réaliser? Bah, cette thèse, alors tu posais la question, moi je pense que cette thèse, elle a été un peu un élément structurant et a été un cheminement pour moi. Parce que franchement, je n'étais pas trop du profil consultant à travers mon parcours, très très pragmatique, très concret. Voilà, quand on est directeur marketing, on n'est pas forcément dans des approches de réflexion, de mise en œuvre de méthodologie, etc. Mais c'est vrai que cette thèse m'a un peu élevé et m'a permis de m'intéresser à ce métier du consulting, d'accompagnement. Et je pense que ça a été un élément clé en fait pour que je me lance dedans. Notamment, ben voilà, j'ai pris un premier beau projet au sein du groupe Air Liquide. Ma boîte avait 2 mois d'existence, ils m'ont fait confiance. Je les ai déjà beaucoup remerciés, mais voilà, j'ai modélisé une méthodologie autour du parcours client, parce que c'est un de mes domaines de prédilection, du parcours client. Et du coup, voilà, et cette posture-là, c'est vraiment, je peux le dire, ça a été un des éléments clés, vient quand même de la thèse, où j'ai pris ce recul et de me dire, voilà, il faut de la méthodo, il faut organiser les choses. Oui, je pense que dans cette thèse, je ne serais pas allé vers le conseil. Ouais, donc ça m'a apporté ça. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner aujourd'hui à peut-être des futurs étudiants du MBA ou des personnes qui seraient dans le même cas que toi il y a 10-15 ans, qui s'interrogeraient sur une reprise d'études, peut-être même une reconversion? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben, moi, alors, j'ai eu l'occasion d'avoir eu quelques appels. Alors, chaque cas est un peu particulier, chacun s'interroge voilà, sur différents sujets, hein. C'est vrai que c'est délicat quand on est en part-time, la vie personnelle, la vie pro, voilà. Moi, j'y suis allé par intérêt, purement par curiosité, par intérêt, parce que quand je suis allé voir cette formation, j'avais les yeux qui brillaient et au fond de moi, je savais que c'est là que ça allait se passer sur les 10 prochaines années. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, les apports du MBA, je les ressens encore aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que j'ai encore des fondamentaux, des choses qu'on m'a enseignées, qu'on m'a expliquées, que j'ai encore aujourd'hui, qui me sont encore très utiles. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une obsolescence, même s'il y a une obsolescence qui est très rapide dans le secteur du digital, il y a encore des fondamentaux qui me sont encore clés aujourd'hui dans ce que je fais, même auprès d'entreprises. Voilà, donc moi, le conseil, j'ai envie de dire, c'est déjà un conseil d'intérêt pour le sujet, d'attrait. Pas forcément avec un projet déterminé derrière. C'est une fois que j'aurai cette formation, qu'est-ce que je vais faire? Moi, ça a été quand j'ai fait ma formation au CNAM ou ma formation au MBMCI, je n'avais pas forcément de projet derrière. J'avais juste un ressenti d'intégrer une nouvelle compétence. Au fond, je ne savais pas vraiment ce que j'allais en faire. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir forcément de projet attaché à ça, seulement une envie, une appétence pour pouvoir s'intéresser à ces sujets, avoir voilà, aussi. Un peu de temps à dégager, voilà, parce que c'est quand même, ça prend du temps, ça demande une énergie, donc il faut être quand même dans une disposition pour pouvoir intégrer bah, tout ce qui est tout ce que ça implique en termes de travail et d'organisation. Mais voilà, après ça s'équilibre aussi, les choses on le fait pas seul,
Même si on a un petit coup de mou, il y a toujours quelqu'un pour aider au sein de la promo. Voilà, donc tout ça, ça se fait. Moi, le conseil, c'est d'y aller. Alors, soit on a un projet et c'est clair, on a des nouvelles missions qui arrivent, on a un changement de job qu'on veut initier. Voilà, soit on n'a pas forcément de projet, mais on se dit, les prochaines années, ça va se passer là. Moi, c'était vraiment ça, c'est de me dire, les 10 prochaines années, ça sera le sujet du digital. Il faut absolument que je me forme. Donc, moi, voilà, c'est pour toutes les personnes qui sont curieuses comme moi, qui ont envie d'apprendre, envie de découvrir des nouvelles choses, c'est d'y aller, quoi, sans hésiter. Merci Frédéric. Je crois que on va terminer là-dessus. Il faut y aller sans hésiter. On ne le regrette pas. En tout cas, toi, tu ne le regrettes pas. Tu vois, aujourd'hui, tu nous dis 10 ans plus tard, il y a toujours un petit peu du MBMCI qui infuse en toi. On te remercie encore d'avoir passé ce moment avec nous, d'avoir témoigné de ton parcours. Si on souhaite te contacter, quel est ton réseau de prédilection? Plutôt LinkedIn? LinkedIn, c'est très bien. Ouais. Donc, n'hésitez pas, hein, à aller à vous connecter à Frédéric et peut-être aussi à lui faire un retour directement sur son témoignage, à regarder aussi ce qu'il est en train de construire autour de son groupe WeManify et peut-être ton dernier né avec WeGen AI. Est-ce que ta thèse professionnelle, d'ailleurs, je voulais terminer là-dessus, mais est-ce que ta thèse professionnelle, elle est toujours accessible quelque part? Non. Non, elle Non. était sous confidentialité, elle était trop intimement liée à mon projet d'entreprise, donc du coup, elle a jamais été ouverte dans ce sens. Très bien. Bon, en tout cas, tu nous l'as bien raconté. Merci à vous de nous avoir suivis. On salue également ceux qui regarderont ce replay ou nous écouteront en version podcast. Et puis, on retrouvera Frédéric à l'occasion peut-être d'un nouvel événement Alumni. Je sais que tu passes nous voir lors des after-work organisés par l'association. Ah, ces derniers temps. Donc, je me fais une promesse sur 2024. J'ai pris plein de bonnes résolutions, notamment de venir plus souvent. Parfait. Salut Frédéric, merci beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir, Louis. Au Au revoir, tout le revoir. monde.